ça a pris 10 minutes tantôt pour accorder la guitare, c'est que Yves Fournaise m'a dit que ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué de guitare électrique. Parce qu'il ne sait pas accorder une guitare. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'il y a une jam session à 3h. Il devrait y avoir, en principe, il devrait y avoir 46 musiciens sur scène. Imaginez, on est environ 7. Imaginez-en 46. Il y en a qui sont supposés jouer au deuxième plancher. De 1976 à 1978 a existé ce groupe, composé de Claude Moisan, vocal guitare, Yves Fournaise, guitare soliste, André Dugal, clavier, Alain Bourque, guitare, Alain Dumont, basse, Denis Saint-Hilaire au drum. C'était un groupe qui était connu dans le temps pour leurs habillements assez excentriques. Merci. Les maquillages, les effets spéciaux, un spectacle visuel, quoi. Leur genre de musique était Alex Harvey Band, Jethro Tull, The Doors. Sans plus tarder, je vous présente 14 et demi. No!
double. Celle-là, je pense que vous en souvenez quelque peu. C'est une pièce d'Alex Harvey Band. Brain Attack. I'm not.
comme pour messieurs alcoolisés. C'est une tourne des Doors avec Van Morrison. Lui aussi a eu quelques problèmes d'alcool. Roadhouse Blues. Yeah.
sais comment avoir du son sur la pli que tu votes, d'abord? C'est ça, les techs. Mais ça sera pas dans ce pli sans rien. Avez-vous commencé à racheter le billet pour le prochain show? Le prochain, ça va être en l'an 2000, ça va être au domaine de la Sapinière. Try everything, man. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Parce que je sais juste trois accords, cette toune-là, c'est ces trois accords que je sais. Après ça, il allait jouer! Puis comment ça va, vous autres, 10 ans après? OK. Nous autres, on a juste quelques livres de plus. Avec un Marshall avec une tête d'Awa, c'est bon, hein? Ça va bien.
partir la prochaine pièce. J'aimerais saluer des gens ici qui se sont déplacés d'aussi loin que de Saint-Ludger dans Beauce. Ils sont dans le coin là-bas, là. Ah, c'est sûr qu'il y en a d'East Angus. Il y en a de Cookshire. Il y en a de Sherbrooke. De Lenwick. Il y en a de Wheaton. Il y en a de Saint-Adolphe. Il y en a de Valcourt. Oh, ça rappelle des petits trips à Warden. Au Dragon Vert, c'est-tu la waitrice du Dragon Vert? Ok. Ok, maintenant. C'est un petit truc. Ça fait des années. C'est une pièce de Crosby, Stills, Nash & Young. Southern Man. Yeah.
bonsoir. Bonne soirée. André Dugal, Alain Bourque, Alain Dumont et Denis Saint-Hilaire, le groupe 14,5. Faites un applaudissement. Demander de refaire peut-être un petit peu l'historique. J'en ai parlé deux fois depuis 3 heures cet après-midi. Comment ça a parti tout ça, Rock'n'Roll Mania? À un moment donné, le propriétaire ici de l'hôtel East Angus avait le goût de faire un gros show, le 20e anniversaire du Bar Salon, où est-ce que vous êtes présentement, le Bar Salon Champlain. Il y avait des gars depuis 2 ans, les gars des différents orchestres que vous avez vus, se disaient entre eux autres qu'ils avaient le goût de refaire des spectacles, refaire pas de temps en temps, jusqu'à temps que Thilou Breton, J.R. Breton, propriétaire de la place ici, décide de demander à Bernard Trépanier, téléphone tous les gars, demande-leur s'ils sont intéressés à venir ici lundi, dans taverne. Le lundi d'ensuite, c'est au mois de juin, ça, juin 89. Les gars sont présentés, il y a eu 30 gars, 30 téléphones, 30 gars, ils sont présentés ici, dans la taverne. Les gars ont trouvé l'idée tout à fait farfelue au départ. Ça n'avait pas d'allure d'un spectacle comme celui-là. Je peux vous mentionner une chose, c'est que les gars, il n'y a personne qui a backé. Tout le monde a accepté de faire gratuitement tous les groupes que vous avez vus cet après-midi, tous les groupes que vous allez voir jusqu'à 3h du matin, le font gratuitement. Le prix de votre billet sert pour l'éclairage et pour le son, uniquement. Je tiens au travers de ça à remercier un bonhomme qui travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre aujourd'hui. Il y a un bonhomme qui travaille dans l'ombre présentement. Moi, ça fait depuis 3 heures cet après-midi que je vous donne des informations sur des groupes. Ces informations-là me sont fournies directement par Brian Bishop. J'aimerais qu'on applaudisse beaucoup. Brian fait un très bon travail. OK, j'en ai parlé de ça aussi depuis 3 heures cet après-midi. Je sais que vous êtes indulgents, c'est très difficile. Moi, je ne devrais pas être waiter aujourd'hui, je ne devrais pas être serveur, serveuse, ça ne doit pas être facile. Je sais que vous êtes indulgents. Essayez de penser, je vois directement où le follow spot ici. Les waiters sont incapables présentement de faire leur travail. Ils sont plus capables de servir les gens. Essayez de dégager un peu le coin là-bas, si c'est possible. De vous ramener sur les coins ici. Dans le coin ici, il y a encore de la place. Il y a de la place dans le coin par là. S'il vous plaît, libérez le chemin pour les serveurs et serveuses. J'invite maintenant le prochain groupe. Et oui, un groupe qui a marqué beaucoup ici, East Angus aussi. Le groupe Touch. Juste pour le fun, Réjean, ça fait combien de groupes que tu fais depuis cet après-midi 3 heures? 5. 5? Yann, 5? OK. T'as pas eu de plaque? Rien que 5. Ouais, c'est vrai, on me pose la question, s'il en reste combien, dans combien de groupes encore tu vas jouer à part celui-ci?
Un ou deux, il est pas sûr. Il est contre eux. Ça fait 3-4 groupes qui ferment. Lui, il n'y a pas de mérite. Il est tombé dedans quand il était petit. Un vrai chat. D-H-I-E. Prochain groupe. En 1976-1977, Jean-Yves Maltais, batteur. Denis Gilbert, clavier. Module. Mario Maltais, vocal, guitare. Régent Chenard, encore une fois, guitare soliste. Nick Blanchette à la basse. Un bon chien. Bon c'était chien. Dans le bon temps de Spookito. Il y en a-tu qui connaissent Spookito? Deep Purple. Mais voici Touch. Like it's gonna be, oh, hey!
beaucoup. We'll be right back.
vraiment une tune que vous avez sûrement entendue auparavant. The Deep Purple. Hush. Vous encourage.
Thank you.
Blanchard et Mille Blanchette. C'est ce qu'on appelle du 1000%. On va prendre quelques minutes, 2-3 minutes encore, parce qu'il y a une guitare à accorder. Ça prend toujours l'accordeur électronique sur certaines guitares, une guitare acoustique. Un petit peu difficile. Je peux vous dire tout simplement que le groupe qui s'en vient, c'est IDFX. C'est ça. Petit message en passant. S'il y a des gens qui se disent à un moment donné durant la soirée, ah ben on va partir à un moment donné, on a faim, puis le restaurant va fermer. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a aucun problème. Le restaurant chez Ben est ouvert 24 heures sur 24. Autre chose à mentionner, c'est qu'on a parlé d'un jam session toute la soirée, toute l'après-midi, toute la soirée. On a parlé de ce genre. Vous savez, je crois, ce que c'est un jam session, c'est normalement tous les musiciens qui sont ici, qui embarquent sur scène. C'est impossible, bien sûr, de faire un jam session à 46 personnes sur le stage. Ce que les gars ont pensé, tous les groupes qui ont passé, de 3h cet après-midi jusqu'à 3h ce matin, ont la chance, s'ils le veulent, de faire la pièce qu'ils préfèrent, un après l'autre. Donc, ça risque d'être très, très intéressant de voir finalement 16 groupes en ligne. Les gars nous ont dit qu'ils feraient ça vite. S'il y a 16 groupes qui veulent le faire, ou 12 groupes, ou 10 groupes, on va y aller avec les groupes qui veulent le faire. C'était le 20e anniversaire du Bar Salon Champlain. On vous revient dans quelques minutes. Thank you.
ensemble le groupe Idéfix. À l'époque, entre 1977-1978, il y a eu une explosion de flash powder. Pour des musiciens de rock qui savent ce que c'est des flash powder, c'est assez... Quand c'est mal manutentionné, ça peut être dangereux. Il y avait eu une explosion à l'époque qui avait gravement blessé un des membres du groupe. À la figure, je crois, c'est Pidja, d'un bras. Puis, il dit qu'il est encore beau. C'est vrai? Gras, mais beau. Lui, il va être chez Ben à 4h du matin pour une grosse pizza. Une large, pour lui seul. Je crois qu'on est prêt, le groupe Idéfix, comme je disais, 1977-78, composé de Mario Tardi à la guitare soliste, Alain Moore à la basse, Denis Jacques au vocal, Normand Lachance à la guitare, mon beau-frère Normand Lachance, André Roberge, batteur, Denis Gilbert au clavier, leur genre de musique, musique de Styx, Ben Lizzy, Morse Code et Hurry Up Heat. Sans plus tarder, je vous présente le groupe Idéfix. Attendez un peu, Joey. Viens dans ici, toi. Une affaire qu'on a peut-être un petit peu oublié, là. Notre maître de cérémonie, c'est Pierre Tardi. On viendra bien une bonne main à plus. La belle ouvrage qu'il fait. Merci, Pierre. Thank you.
Don't you stay with a friend? You know it's safe.
mesdames et messieurs, Epics, Mario Tardy, Alain Moore, Denis Jacques, Normand Lachance, André Roberge et Denis Gilbert. Il n'y a pas juste eux qui travaillent ici, qui ont travaillé il y a un certain bout de temps, Pierre Couture et Jean Bernier. Alors, on se fait servir une bière par un gars, ils ont servi une bière il y a 10 ans. Le prochain groupe,